Eh bien bonjour à tous, on est sur Archer aujourd'hui pour la partie numéro 2 de la vidéo sur vos statistiques les amis. On va pouvoir maintenant se situer avec notre attaque pour savoir si on est en retard ou pas du tout, si on est bien placé par rapport au chapitre qu'on veut finir tout simplement. Je vous rappelle le principe, je vous ai demandé de remplir 5 ou 6 questions, hein, et du coup avec votre blaze, avec du coup le nom de votre héros principal, chapitre fini, NM et HM, et bien entendu votre attaque et vos PV, donc ça fait 6 questions, effectivement. Ça a créé du coup un tableau, il y a des graphiques, et on va voir tout ça, c'est très intéressant, vous allez voir tout ça. Donc les amis, on commence par le commencement, on va se mettre ici, hein, vous avez vu, hein, j'ai coupé les récompenses parce que c'était pas possible, hein, j'en recevais encore après. Du coup... héros principal, alors je suis peut-être pour quelque chose, hein, parce qu'effectivement, en faisant du contenu sur internet, je suis un influenceur, entre parenthèses, bien entendu. Donc, j'influence vos choix dans, bah, dans Archero, tout simplement, voilà. Et on voit, hein, sur les 186 réponses qu'il y a eu, on a du 110, nombre 110 Elix. Donc, il y a 110 personnes qui jouent Elix. Alors, j'y suis peut-être pour quelque chose, hein, je pense, un petit peu quand même, voilà. Même si, effectivement, c'est un très bon héros, donc vous avez quand même fait un bon choix, voilà. Après, on va avoir du Ayana. Voilà, par exemple, ici, on va avoir du Ayana. On va avoir, ce qui est rigolo, on va avoir un petit peu de Gugu. Un Gugu, c'est intéressant. 6 Gugu. Ici, on va avoir quoi ici? On va avoir du Miaouji, qui est un très très bon héros à l'époque, hein, à l'époque du free-to-play, l'époque free-to-play, avant qu'il y ait les shards des héros, ou que les héros passent tous free-to-play, grâce aux shards, bien entendu. Ensuite, on va avoir du Lina aussi, bien entendu. Ici, bah, Shade, hein, voilà, je vais pas mettre la souris dessus, ça bug un peu, je pense. Voilà, après, on va avoir aussi un petit peu de Sylvain, etc. Mais voilà. La majorité, c'est voilà, Elix tout simplement. Ensuite, on va avoir un petit graphique qui est hyper intéressant. On va s'attarder surtout sur le HM, les amis. Donc, on va, je vous rappelle, hein, c'est des chapitres qui sont finis, d'accord. Donc, ça veut dire que ce qu'on voit, c'est fini. Donc, les gens bloquent après, d'accord. Donc, par exemple, hein, en mode difficile, donc c'est celui-ci, hein, on voit la souris, on voit la souris, voilà, parfait. Donc, en haut, on a le normal et en bas, on a le HM. Le HM, les amis, on voit. 3 grands pics, on va s'intéresser à ces 3 grands pics les amis. Regardez, ici, le chapitre 13 fini, ça veut dire qu'il y a une partie de la commu, hein, par rapport aux gens qui ont répondu bien entendu, qui bloque au chapitre 14. Normal, chapitre à boss, c'est toujours un gros mur devant soi, que vous avez passé au fur et à mesure, c'est surtout par une question de statistique bien entendu, hein. Plus vous avez d'attaque, et meilleure sera votre défense, tout simplement. Alors ici, on voit qu'il y a quand même pas mal de monde qui bloque au 14. Ensuite, ici, le 19, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui bloquent au 20. Alors le 20, c'est quoi déjà le 20? Je vais regarder tout de suite le 20, c'est quoi? On va récupérer ça, voilà, hop. Qu'est-ce que c'est que le 20? Et hop, voilà. Alors, tac, le 20, c'est... Ah oui, effectivement, le 20. Le 20 avec la chose à la fin, le petit bout à la fin, effectivement, c'est un petit mur, c'est un petit mur quand même. Donc bon courage à ceux qui ont répondu, bien entendu. Du coup, vous avez fini le 19, le 20, bon courage, ça va passer tôt ou tard. Et vous verrez si vous pouvez le passer, votre stat après, juste avec le tableau qui arrive derrière. Et ensuite, on a, alors ça, je comprends pas du tout. On a beaucoup de monde qui sont bloqués sur le 24 aujourd'hui. Peut-être que grâce à la mise à jour, ça a pris vous avez pris des statistiques. Parce que normalement, il aurait dû y avoir du monde bloqué ici sur le 20. Parce que du coup, le 21 est un vrai mur, mais à l'époque. À l'époque, j'avais fait plus de, je crois, 200 tries là-dessus, même plus que ça. Ça passait pas. Effectivement, la DBR est sortie et brah, je l'ai éclaté. Mais, DBR géant, vous vous rappelez ou pas? Et du coup, là, non, bah non, du coup, les gens sont bloqués ici, vous avez vu. Donc, ils ont fini le 24. Donc, ils ont fini celui-ci. Hop, voilà, voilà. Ils ont fini celui-là, mais ils sont bloqués à celui-là. Écoutez, celui-ci, je n'ai plus du tout aucun souvenir. Alors, c'est qu'il m'a pas plus marqué que ça. Donc je sais pas pourquoi vous bloquez là-dessus. Donc dans les commentaires, vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous bloque là-dessus. Peut-être voir un truc, venir sur mon Discord, hein, pour avoir des conseils, etc. Parce que celui-ci, vraiment, je ne m'en rappelle absolument pas. Donc voilà, ça c'est fait. On va passer, les amis, maintenant au tableau. Et c'est là le plus intéressant. Du coup, regardez. Hop là, je fais comme ça. Voilà, on l'a. Donc, le tableau, bah c'est, je l'ai trié déjà par attaque. On va changer après, etc. Des petites couleurs, etc. Donc, on a vu qu'il y avait une majorité de Elix, hein, bien entendu, un peu de Shade, etc. Là, on a l'attaque la plus haute des personnes qui ont répondu. On a acquis un membre de mon clan, acquis qui a plus de 41 260. Alors, je l'ai laissé parce qu'il avait répondu deux fois avec des chiffres qui n'étaient pas ronds. Ceux qui ont mis des chiffres pas ronds, exemple Rosebud. Vous m'énervez, vous avez dit, je veux des chiffres ronds pour que ce soit plus facile pour vous à lire après, tout simplement. C'est pas grave, voilà, je vous ai quand même laissé. Ceux qui mettent des blazes trolls, hein, voilà, genre un peu nazi, etc. Tu connais, tu vois. Donc ça,
ça dégage aussi, tout simplement là. Donc j'ai dégagé 5-6 personnes du truc ici. On va se dire aussi un truc, c'est que les... t'es legit, hein, on va pas se dire le mec il a troll, il s'est mis bien, etc. Ça sert absolument à rien de faire ça, ça fausse les données, et du coup ça vous plombe vous, la communauté, tout simplement, voilà. Bref, on va commencer par moi, tout simplement, voilà, pour avoir un point de comparaison. Donc je suis ici, je suis du coup le cinquième au niveau de l'attaque, voilà, ça s'est réglé au niveau de l'attaque. Donc attaque 41 200 pour hacker. Nowhere qui hashtag en retard, oui, effectivement. Alors je pense qu'il a dit ça par rapport du coup au fait qu'il réponde en retard, ou sinon il est en retard par rapport au chapitre. Et effectivement, il est en retard par rapport à ça, donc je pense que c'est par rapport à ça tout simplement. Donc effectivement, ensuite on va avoir Felicium, GG à lui, hein, 35k. Nowhere qui a 35k5, j'avais même pas fait gaffe, hein. C'est un mec aussi de mon clan lui. Hein. Il a 35 500 Nowhere. Il est bloqué au 26. Bah, je pense, après, il se prend pas trop la tête, il joue tranquille, etc. Il a d'ailleurs fait une petite pause il y a pas longtemps, il est revenu. Felicium, donc 35 000, on va pas tous les faire un par un, voilà. On va s'arrêter à moi après, et après, je vais vous montrer un petit peu comment ça a marché. 150 000 PV. Alors, je pense qu'il doit jouer un perso qui ramène des PV, donc genre Akoya peut-être, hein, je sais pas. Mais en tout cas, il est énervé en PV, le monsieur, hein, voilà. J'espère qu'il s'est pas trompé, que c'est legit, hein, mais ça me paraît énorme comme PV, donc enfin, peut-être que tu m'expliques dans les commentaires. Si tu passes par là, frérot, je pense que tu passes par là, parce que du coup, t'as répondu au questionnaire. Explique-moi, frérot, comment tu fais pour avoir autant de PV. Voilà. À moins d'avoir un... on l'a vu, hein, vous vous rappelez, dans les stats max, et elle avait pas ça, Akoya, donc je pense qu'il s'est trompé dans les, là-dedans. Donc il a fini le 33, le 33 normal, fini HM, etc. On a après Cataplouf, j'adore son place, un mec sur mon Discord, ça je crois, si je dis pas de bêtises, Cataplouf qui joue avec Lina comme perso principal. Il a 32 600 attaques, il est bloqué au 29, au 30 normal, et il est bloqué au 27 difficile. Et après on arrive avec moi, donc Ada, je joue avec Elix, 32 000 d'attaque, on avait fait ensemble, hein, 114 400 PV, et ici, normal fini 33, et je suis bloqué sur le 32 HM, c'est juste abusé. On va maintenant, alors j'ai quand même beaucoup de, pourquoi c'est pas 1 sur 2, normalement c'est 1 sur 2, je sais pas pourquoi. Pourquoi, je ne sais pas. Bref, c'est pas grave, hein. on avait fait un truc propre, hein, voilà. Bah, bon, bref, voilà, on va faire comme si c'était propre, d'accord. Donc j'ai quasiment 200 réponses. Hein. On va régler ça, attendez, je vais juste, on va régler ça, on va faire comme ça, ici, voilà, tac. On va trier par chapitre difficile fini, tout simplement. Alors, on a, du coup, comment on va faire. On voit, voilà, on va faire une sorte de petit tas. D'accord. On va faire des petites courbes. Ici, on voit que le 33, bah, deux personnes l'ont fini. Et elles ont plus de 35 000 d'attaque. Donc, effectivement, moi, à mon niveau, vous avez vu 31 fini. À mon niveau, 32 000, je ressens le manque d'attaque, tout simplement, par rapport à ça. Donc, du coup, je suis bloqué au 32 parce que je ressens un manque d'attaque. Donc, je pense que si je gagne encore 1K, voire 2K d'attaque, à qui il fait tout faire, lui. 41 000, il fait ce qu'il veut. Encore, si je suis genre 33-34K, je peux passer le 32, voire peut-être le 33, voilà. Ensuite, des gens qui sont vers le 30 et le 29, ils ont environ 20, entre 29 et, alors même pas, entre 28 et 30 000 d'attaque, 31 000. Lovic a 31 000 ici. Donc voilà, si, exemple, hein, tu te dis, bah j'ai 24 000 d'attaque, bah, c'est peut-être possible, parce que tu vois, le 28 a été fini. Avec une personne ici qui se trouve ici, hein, Hugo, avec 24 700, donc c'est peut-être possible, voilà. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais si t'as moins que le tableau, ça veut dire peut-être que tu vas galérer un petit peu. Voilà, moi, j'ai, malheureusement, il n'y a pas de 32, hein, c'est ou 31 ou 31 comme, où je suis là, ou après directement 33. Mais en fait, où je suis moi, je vois que je le sens, et effectivement, on le ressent dans le tableau qui se trouve ici. On va continuer un tout petit peu maintenant, on va aller sur le 27 ici, qui est fini. On est entre... Alors lui, il est très très chaud, Goldor. Hein. Ah ben là, c'est un mec de mon clan. Goldor avec 23 000 d'attaque et 78 000 PV. Il a fini... On parle que du HM. Je parle que du HM. Après, vous verrez... De... Ouais, si tu veux mettre une petite pause, tu fais un screen, etc. Screen. Et du coup, Goldor qui est très très chaud parce qu'il a 23 000 d'attaque et il a fini le 27 HM. Et là, on voit qu'après, il y a un gros gap. Hein. C'est ici avec Scorpius des rejetés. C'est un clan sur mon Discord aussi, je crois. Si je dis pas de bêtises, des rejetés. C'est ça. Hein. Et bah, du coup, il a 3000 d'attaque en plus. Hein, et c'est ça la tendance. Hein. C'est 26-28 000. Hein, vous avez vu. Et on a Goldor. Donc, ça, c'est. Moi, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Donc, on va continuer un petit peu. On va descendre un tout petit peu. On va se mettre ici maintenant. Pour le 26. Alors, 26, c'est une grande plage. Il y a une très grande plage avec Noé qui casse un peu le tableau. Mais regardez le 26. Il commence ici avec Marc.
comment Arcan, Marc Arcan, Marc Arcan, avec 24 000 d'attaque. On va retirer nos Erks, il est vraiment trop, jusqu'à 32 000 Cataplouf. Vous avez vu, 32 000. Donc il y a quand même une belle marge de progression entre tout le monde pour le 26. Alors peut-être qu'après les gens ne font pas du HM, peut-être qu'ils s'en fichent, ils préfèrent faire du NM, etc. Là je parle juste en connaissance de cause par rapport au tableau, hein, tout simplement, voilà. Alors, attendez, je vais faire ça, et je vais faire ne pas déranger. Je vais oublier. Voilà. Ensuite, pour le 25, le 24 et le 25, on va s'arrêter au 25 plus, parce qu'il y a beaucoup de 24 du coup. Allez, on l'a vu tout à l'heure, ils sont bloqués au 24 les gens. Et du coup le 25, bah voilà, pour ceux qui sont bloqués au 24, regardez le 25, ça commence avec Waf, même pas, Broblochon, mec sur mon Discord, même de ma, mec de mon clan, Broblochon jusqu'ici. Donc on voit un petit peu le machin bleu, ouais on voit un petit peu le machin bleu. Donc Broblochon, Waf, Manbo, Tori et Benoît, ils ont entre 21 et 32 000 d'attaque, ils ont fini le 25. Donc si en dessous ici là avec Lyanna, bah derrière Lyanna c'est un mec de mon Discord aussi. Lyanna, vous avez vu tout ça là? Jusqu'ici, il y a beaucoup de 24, hein, il y a tout ça. Bah déjà, voilà, lui, ça a troll, c'est sûr. Oui, je pense qu'il y a un chiffre en moins, parce que vous avez vu, 2500, lui il sert à rien, je peux le retirer, il sert strictement à rien. Supprimer la ligne, parce qu'il a 2500 d'attaque. Pourquoi, je ne sais pas. Donc ici, le 24, vous avez vu, Maxence, qui a 17 000. Alors, Maxence, frérot, si t'es là, t'as un peu pas assez d'attaque du coup frérot. Donc c'est très bien d'être arrivé jusqu'ici. Maintenant je pense que tu as bloqué un petit moment, parce que ici tu vois 17 500 d'attaque, et les gens qui l'ont passé c'est 21 000 tu vois ici. Alors c'est pas impossible, mais 6 000 voire combien, 7 000 d'attaque. Combien t'as? Ah non mais un peu moins. 17 000, 21, donc t'as 4 000 d'attaque plus ou moins. T'as du temps, il y a un petit peu de temps devant toi avant de pouvoir faire ça. Donc peut-être que tu peux éviter de tryhard et pas d'énergie là-dedans et peut-être farmer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant de voir, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, on voit que le 25 a été passé avec 21 000. Tu peux faire moins, mais voilà. Bon courage, frérot, parce que tu vois que 24 000 ici, ça passe pas. 23, ça passe pas, etc. Ensuite, par rapport au 23, 22 et 21, on va les faire plus vite maintenant, du coup. 21 ici, 16 000 d'attaque, j'ai déjà toi, frérot, parce que moi, je pense que j'avais plus d'attaque, je sais plus. Je sais plus j'avais combien à l'époque, maintenant tu passes beaucoup plus facilement les téléchapitres. Donc 21, 22, 23, 23, bah on voit ici, hein, 23 000 d'attaque, hein, 23 000, voilà. Un peu comme moi, vous avez vu, j'ai 32 000 d'attaque et je suis au 32. Vous avez vu, 32 300, alors, non, moi je joue comme ça, voilà, 32 000 d'attaque et du coup 32. On voit ici que le 22, bah voilà, hein, ici on a Frédéric aussi qui est là, présent et très souvent sur mes lives, Frédéric. Frédéric, la élite archéro. Du coup, 26 000. Un petit peu de retard, hein, Frédéric, avec Pinta Burroy. Vous avez vu, 26 000. Vous devriez normalement ne pas être au 22, mais plutôt au... on arrive ici, plutôt au 25-26. Hein. Plutôt 25-26. Hein. Voilà, tu vois, on voit que tu peux pousser un petit peu. Doudams, il est là aussi, présent. Voilà, 24 000. 24, ok, vous avez vu, c'est marrant, hein, 24, 24 000, 32, 32 000, ok, on descend un petit peu les amis, avec tout simplement le 19 ici, 19, on voit que les gens ont environ, waouh, ah oui, il est chaud Firmin, entre, frérot, tu vas galérer, il faut monter Firmin, du coup, sans Chichen qui est là aussi, du coup, avec 20 000 d'attaque, donc on voit que le 19 fini, il y a une grosse, très grosse plage d'attaque, hein, entre 11 000, voire moins, non, ouais, 11 000 Firmin, jusqu'à Saint-Chichan, jusqu'à 20 000, tu pourrais peut-être Saint-Chichan passer du coup le 20, peut-être, tu vois, encore un petit niveau en plus par exemple, voilà. 17-16, on arrive à la fin du coup les amis, 17-18, tac ici par exemple, et là on arrive sur des petits chiffres, hein, des bébés comptes comme dirait Lovie, hein. On est sur du moins de 10 000 quasiment bientôt, donc on a du 13 000 ici, 8 900, lui est très très chaud, Epoch TV, GG à toi frérot, 8 900, si les chiffres sont bons, 17 HM, GG, parce que du coup, on voit que la moyenne c'est plus de 10-11 000, donc GG à toi frérot, on continue, on descend, le 16, beaucoup de monde sur le 16, hein, ici avec 9 000 attaques, donc vous avez vu, voilà, c'est pour ça que je vous dis que la meilleure défense c'est l'attaque, on va finir, on va se dépêcher, parce que c'est quand même une grosse vidéo maintenant, 14, le 14, ah bah le 14, beaucoup de monde sont bloqués, bah écoutez, du coup les amis, regardez ici, on a du coup environ entre ici Miss Coquillette, hein, j'adore son blaze, Miss Coquillette, Dracus aussi il est là frérot, le pâtissier, lui c'est une personne qui a... C'est marrant parce que je tombe là-dessus et je vois des blazes du coup que c'est sympa du coup, c'est un pâtissier.
Donc on a Dracus qui a 11 500, 11 600. On a du coup Dracus qui n'a pas mis un chiffre rond. Et du coup, entre eux, c'est marrant, hein, là on voit vraiment que bah, plus t'évolues et moins il y a de distance entre, avec l'attaque. Donc effectivement, à ce niveau-là de jeu, moins de 10 000, bah, du coup ça commence un petit peu à s'éparpiller partout. Parce que du coup, effectivement, t'as peut-être les gens qui jouent de façon casu, les gens qui jouent moins parce qu'il y a la vie, l'IRL, etc. Et donc du coup, t'as un peu moins de stuff, de skill surtout, de doigté peut-être aussi, je ne sais pas, hein, voilà. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais effectivement là, entre 6 000 et 11 000, il y a quand même un gros gap, et du coup c'est peut-être pour ça. Par contre, en dessous, les gens qui sont en dessous, qui sont bloqués au 13 là, on vous voit, hein, on vous voit, on vous voit, on vous voit. Ici, 13, 7000, entre 7000 et 8004, ben on voit que vous pourrez passer, hein, peut-être le 14, hein, vous avez vu ici, il y a des gens, hein, genre Anis le beau gosse, le BG, et ben du coup 8400, ben, tu peux le passer, hein, avec 8000, hein, genre QB, ça passe, hein. Ça passe normalement. Après voilà, ça dépend bien entendu aussi de votre stuff, etc. Voilà, ça c'est, je parle sur le calcul ici, hein, sur le tableau. Et pour finir, on va faire comme ça, voilà, le 10, 11, 9, voilà, c'est vraiment... Il y a des beaux gosses partout ici, vous avez vu en bas, le BG 2022. T'étais comment en 2021, t'étais moche? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Bref, Camille, ITX, ok. On est sur du... Ouais, c'est vraiment des bébés cons comme dit Lovie, hein. Et donc 2000, le 9, 6000, ok, entre 3000. Donc en vrai, voilà, il y a une grosse disparité après, parce que c'est vraiment de l'early game là-dessus. On est vraiment sur de l'entrée de gamme par rapport au chapitre, hein, par rapport à vous les joueurs, hein. Et des VIP, tout le monde est VIP ici, hein. Que tu sois ici ou tout en haut, t'es un VIP frérot. Et donc voilà un petit peu. Maintenant, vous pouvez vous situer. Voilà, donc le document ne sera pas... partagé. Donc si tu veux faire un truc, tu fais un screen, frérot. Voilà, tu fais un screen avec ma tête, là. Voilà. Et donc voilà, on s'arrête là-dessus. Donc dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que, du coup, est-ce que t'es en retard, pas en retard? On s'en fiche au final d'être en retard, pas en retard. Hein. C'est juste... pouvoir se comparer et se dire, ah bah du coup lui il l'a fait, donc je vais peut-être essayer de le faire. Ah, lui il a quand même 4000 attaques en plus que moi, ça va être compliqué de le passer. Je préfère du coup farmer de mon côté, et au final, une fois que j'ai plus d'attaques, je vais pouvoir du coup attaquer le chapitre. Je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous si c'est pas déjà le cas, partagez la vidéo, commentez là comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes, le petit pouce bleu c'est important pour le step up de la chaîne, et c'est tout. Des bisous à tous, ciao.